soif, moi. J'ai envie d'aller au bar. Oh, tiens, il y en a un juste là. Qu'est-ce que tu fais là? T'es encore parti pour aller boire? Moi, je pars travailler et toi, tu vas picoler. Et t'es encore avec cette veste archi moche et vieille et crade? File à l'Inter, t'en acheter une neuve. Allez, fonce! Oh là 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 là. Hey, salut Blaise. Salut Laf. Hey, tu vas où comme ça? Au collège, j'ai une copine, Émilie, qui se fait emmerder parce qu'elle a pas la même couleur ni le même poids que les autres. Ça se fait pas, c'est relou. Eh ben, je te rejoins après. Là, je vais m'acheter une nouvelle veste, sinon Sandrine, elle va encore m'engueuler. Je vais venir leur donner une bonne leçon à ces petits cons. Elle me fait suer celle-là encore avec ses vestes, machin, je sais pas quoi. Et là, tout le monde meurt. Mais non! Et là, tout le monde meurt. Mais non! Oh, le vieux schnock sans son pantalon, là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah, guiz, guiz, buzz, guiz, guiz. Mais il est fou, lui. Va te rhabiller. Oh, les petits, oh, quel clochard. Petit con qui embête Émilie, vous préparez, vous attrapez, vous. Mais il a pas pris ses pilules, lui, il est malade. Bah oui, c'est eux, ils arrêtent pas de l'embêter. Parce qu'elle est plus noire et plus grosse que les autres. Il en a marre. Y'a des connards, ils se prennent pour qui? Et là, tout le monde meurt. Mais non. Grosse vache, gros phoque, grosse vache, gros phoque, grosse vache, gros phoque, bouboule, des Godzilla, Big Mama, Shrek, retourne dans ton pays, on veut pas toi, t'es né par erreur, suicide-toi, grosse vache, grosse vache, grosse vache, grosse vache, grosse vache, bouboule, des Godzilla, retourne dans ton pays. Vous prenez pour qui? Ça sert à quoi de faire ça? Vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir? Le suicide, la mutilation, c'est très grave. Mettez-vous à sa place. Vous aimeriez bien qu'on vous dise ça? Non, je pense pas. Pourquoi se moquer d'elle en particulier, alors que tout le monde a des défauts? Blaise est trop maigre et trop blanc. Moi, je suis râleuse et je louche. La fleur est souvent bourrée et il a des trop grands pieds. Bah, il est où ton pantalon à toi? Il est où ton pantalon à toi? Ah, je te retrouve enfin! C'est illégal de se promener sans pantalon! Eh ben non, non, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, voici l'unique, le magique, le révolutionnaire coup de pied de Émilie. Allez, viens, rentre à la maison, t'es mon hôte préféré, et on va aller te chercher un joli pantalon, mon Laf. Et là, tout le monde meurt encore. Oh, mais non!
Ah mais, c'est qu'en plus d'avoir soif, maintenant j'ai faim, moi. Et moi, j'ai envie d'aller faire un tour. Ah, mais oui, dis, j'ai ma copine Josette qui ouvre une boulangerie à Combles. On y va? Il y aura peut-être des bons gros croissants. Oh, trop bien. Attends, je l'appelle. Allô, Josette, c'est Sandrine. Ah, nous y voilà. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Je me mouille le gosier et j'arrive. Bonjour, Josette. Ah, Sandrine, je suis bien contente de te voir. J'ouvre la boulangerie demain matin. Et en plus... Vous tombez bien, c'est la fête du village aussi demain. On va danser, ça te dit? Ah, ça oui. Je le dis tout de suite à la fleur. Allô, Laf? Bonjour, monsieur, dame. Peux-tu m'asseoir là? Bien sûr, moi j'aime l'accompagner. Deux demi, tavernier. À la tienne, camarade. Qu'est-ce que tu fais dans le coin, toi? Avant, j'ai travaillé au cimetière militaire anglais. Tombe les flouses, arranger les fleurs, nettoyer les tombes. Mais j'étais trop seul. J'ai besoin des autres, mais vivants. Alors j'ai tout plaqué, et maintenant je vais de PMU en PMU. Comme ça, je gagne ma vie, et je suis toujours avec du monde. Monsieur Lafleur, téléphone! Oh, mais non, je veux danser avec elle, moi. Comment me débarrasser de ce danseur? Attends, Sandrine, j'ai une idée. Allô, gendarmerie? Venez, il y a une bagarre au bas à la comble. Et toi, dis donc, là-bas, t'as une tête de chamboule-tou. Ben alors, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, le traditionnel coup de pied de la fleur. Hé, hey, les gars, jouez le tango bleu. Tout le pastel,
cher. Il était rusé comme une fouine. Allez, viens, on rentre à la maison, mon Olaf. T'es mon andouille préférée. Et tu vas voir, il y a une surprise à la maison. On répétait sur toutes les gammes. Voilà la femme de Michel. Elle avait fait sa connaissance dans un bar un soir. Oh, trop bien! Gourmand. Sachant faire de bonnes affaires, c'était là toute sa profession. Comme elle avait un peu d'argent, il se mit en Mais dis donc, Laf, tu te rappelles que Blaise vient goûter aujourd'hui? On se met au fourneau? Allez! Ah ça oui, il est aussi gourmand que moi. On va faire un énorme gâteau. Allez! Allez, salut les copains! À demain! Trop cool! Je vais goûter chez La Fleur et Sandrine. Mais bon, j'aurais bien traîné un peu pour croiser le gars trop mignon. Ah, mais il est là-bas! Ouh là là! Je suis trop timide, moi! Hey, mais c'est l'autre gros PD là-bas, non? Ouais, je le reconnais. Tout le monde dit qu'il aime le mec. C'est dégueu, grave. Allez, on suit. On va lui mettre la misère. Hey, toi, viens avec nous. Tu vas nous aider. Allez. Mais ils sont trop bizarres ceux-là. Ils se collent comme des sardines dans une boîte. Et puis le beau gosse qui me regarde tout le temps. Il a bien une gueule de tapette, lui. Grave. Heureusement que je ressemble pas à ça. Gros pédé, tu as loup. Tapette. Pédale dans le gazon. Tu fais de la danse? Je ne veux pas être comme toi. Mais, ils sont dingues. Ben, tu rentres par la fenêtre, toi, maintenant. T'es trop un rebelle. J'adore. Non, mais rigolez pas. Dehors, il y a une bande de blaireaux qui me traite de pédé. Je me suis barré vite fait. On lui raconte? Grave. Il y a très, très longtemps, quand j'étais petit, je vivais dans une forêt magique. Ça, c'est pas vrai. Ok. J'étais petit et j'ai grandi. J'ai ressenti des petits picotis pour un gars, et puis des petits picotis pour une meuf. Et puis un gars, et puis une meuf, etc. Et me voilà. Je suis Laf, je suis comme ça, et ça me va. Et toi? Il y a très, très longtemps, quand j'étais petite, je vivais dans une forêt magique. Ça, c'est pas vrai. Ok, j'ai été petite et j'ai grandi. J'ai ressenti des petits picotis pour un gars, et puis des petits picotis pour un gars, et puis un gars, et puis un gars, etc. Et me voilà,
Je suis Sandrine, je suis comme ça, et ça me va. Et toi? Bah oui, vous avez trop raison. Je suis comme ça, et ça me va. Et puis là, dehors, il y a le gars trop mignon. Ah, voilà! Je te retrouve, toi! T'es entré ici par infraction? C'est interdit! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis le gendarme, je suis la loi, je sauve le monde! Allez, suis-moi, je vais t'interroger, mon garçon. Tu vas voir à qui tu as affaire. Je vais te montrer la bonne porte, moi. Mais installez-vous donc. On va manger du gâteau et boire un coup. Bon. Alors, d'accord. Vous savez qui je suis, vous? Je suis... Oui. Dis, Sandrine, t'as pas la même idée que moi? Oui. Eh, dis donc, bande de blaireaux, venez goûter avec nous. Il y a un gâteau énorme. Nous sommes toutes et tous des gourmandes et des gourmands, tous pareils, quoi. Ah, mais moi aussi, je suis pareil. Je suis gourmand, mais quand même, je suis trop fort. Et j'arrête des gens et des criminels. Et maintenant, mesdames et messieurs, etc., devant vos yeux ébahis, le traditionnel coup de pied de la fleur. Oh merci, il est trop bon ce gâteau! C'est le gâteau trans, homo, hétéro, choco! Bah en fait, je veux bien vous ressembler! Tu nous ressembles pas, banane! On est juste tous pareils! On aime les mêmes gâteaux! Ah ouais, moi je te trouve... Tu crois qu'on pourrait se revoir? Après ce gâteau-là... Moi, j'aime les barbus! Finalement, c'est cool d'être cool! Il y avait du boulot, dis donc. Grave. Allez, mon laf, t'es mon andouille préféré. Et là, on va prendre un peu de vacances. Ok, baby. Et boire un coup. Mais on reviendra, non? Grave.